Soyez abondamment bénis, téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix, bienvenue au journal. Les principaux titres de cette édition, les missionnaires nationaux de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire ont tenu leur retraite annuelle avec le pasteur Boniface Meunier du 4 au 10 janvier 2021 au siège de la CMCI Côte d'Ivoire. Une retraite qui s'inscrivait dans le cadre des actions pastorales de l'École de la connaissance et du service des dieux visant à soutenir les actions des différents missionnaires sur le champ de conquête pour le succès et l'atteinte de leurs différents objectifs en cette année 2021. Aussi, nous parlerons de la cérémonie de présentation des vœux de l'Église de Côte d'Ivoire au pasteur Boniface Meunier et à toute sa famille. Une traditionnelle rencontre en début d'année à travers laquelle tous les dirigeants et toute l'Église de Côte d'Ivoire vient renouer leur engagement et leur attachement au couple Meunier et surtout leur détermination à œuvrer à leur côté pour le succès de leur mission en Côte d'Ivoire. Plus de détails de cette cérémonie dans cette édition. On ouvre cette édition avec la retraite des missionnaires nationaux de la CMC Côte d'Ivoire avec le pasteur Boniface Meunier, tenu du 4 au 10 janvier 2021 à Abidjan, précisément au siège de la dite communauté à Adjamé Liberté. Une retraite qui s'inscrit dans le cadre du programme des cours de formation des dirigeants spirituels et l'action pastorale de l'école La connaissance du service de Dieu, section Côte d'Ivoire, visant à booster l'élan des missionnaires dans l'accomplissement des objectifs de l'année 2021. À cette occasion, les témoignages de l'action de la puissance de Dieu sur les champs de mission ont été rendus. L'évaluation du travail de l'année dernière a été faite et la planification de cette nouvelle année a également été objet de travail. Le pasteur Boniface Meunier, coordonnateur de cette retraite, a profité de l'occasion pour instruire chacun des frères et membres de l'équipe de conquête de la nation sur les éléments déterminants pour le succès de la conquête sur le champ de mission. L'équipe de la RTVC était sur les lieux pour vous faire vivre les temps forts de ce programme suivant ce dossier de la rédaction. Les missionnaires de la CMCI Côte d'Ivoire ont tenu leur retraite annuelle avec le pasteur Boniface Meunier du 4 au 10 janvier 2021 au siège de la CMCI Côte d'Ivoire à Abidjan. Une sainte convocation au pied du Seigneur s'inscrivant dans le cadre du programme global des cours de formation et des actions pastorales initiées par l'École de la connaissance et du service de Dieu section Côte d'Ivoire. Avec la participation de plus de 250 missionnaires venus de toutes les localités où notre œuvre est représentée en Côte d'Ivoire, ce fut une rencontre de communion fraternelle, de témoignage de la main agissante du Seigneur sur les champs de mission et surtout un moment de travail actif, d'évaluation de l'œuvre accomplie au cours de l'année précédente, de planification de la nouvelle année et de communication mutuelle des dons spirituels en vue d'une conquête plus efficace. Le tout visant le dynamisme et la fructuosité de l'entreprise missionnaire pour l'accomplissement du but de la phase 3 de notre œuvre. Posant les fondements du travail spirituel qui devait être effectué au cours de cette retraite, le pasteur Meunier s'est appuyé d'entrée de jeu sur le passage de Romains, le chapitre 1, versets 8 à 12, pour faire ressortir les deux principaux objectifs qui ont fait l'objet d'études durant les 7 jours de ce programme. À savoir, communiquer les dons spirituels, être encouragé et recevoir les encouragements. L'orateur s'est saisi de cette occasion pour rappeler certains points de doctrine dont la connaissance est fondamentale dans la marche chrétienne en général et surtout dans la vie et le succès des missionnaires. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la doctrine du salut. Or, si tu ne connais pas la doctrine du salut, tu ne peux pas prêcher l'évangile avec efficacité parce que La prédication consiste à proclamer les faits de la doctrine de Christ. À ce niveau, il a mis l'accent sur l'élection du croyant, la prédestination, la mission et la tâche assignée. Des points doctrinaux décisifs qui sont des socles à partir desquels
les missionnaires peuvent manifester Dieu en proclamant l'évangile authentique avec assurance et efficacité sur le champ de mission. C'est donc à partir de ces points majeurs que le Seigneur a conduit l'Assemblée à méditer sur plusieurs facteurs déterminants pour l'efficacité dans la conquête. Tout commence par la nécessité de connaître les implications de l'élection du croyant. À ce niveau, un regard profond sur l'objet de la prière de l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, le verset 1 à 22, était nécessaire. Un passage qui nous apprend de manière claire ce que nous devons voir et croire dans notre identité spirituelle. De ce point, il ressort que les croyants sont élus à être saints. Ils sont prédestinés à être des enfants d'adoption. Ils sont adoptés donc par Dieu, ils sont pardonnés, ils sont rachetés, ils sont héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, et ils ont été scellés par le Saint-Esprit. Des composants de l'identité spirituelle du croyant en Christ, dont la claire appréhension nécessite que le croyant ait un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans sa connaissance, que Dieu illumine les yeux de son cœur, et qu'il ait la connaissance de l'espérance rattachée à l'appel de Dieu. Des vérités déterminantes que le pasteur Meunier a rappelées à l'assemblée des missionnaires. Après avoir rappelé à chaque missionnaire les implications de l'élection et de l'identité du croyant en Christ, le pasteur interpelle chacun des missionnaires sur la nécessité de porter du fruit. À cet effet, dans le passage de Philippiens, le chapitre 2, le verset 5 à 11, le modèle du Seigneur Jésus montre le travail que chacun doit faire sur lui-même s'il veut porter du fruit qui demeure. À savoir, le Seigneur Jésus s'est dépouillé lui-même, il a renoncé à la gloire divine. Il est devenu semblable aux hommes, il a pris une forme de serviteur, il a paru comme un simple et vrai homme, il s'est humilié lui-même, il s'est rendu obéissant, jusqu'à la mort. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Un travail de renoncement, de dépouillement, d'abaissement de soi et de la mort au moi, indispensable pour porter du fruit, selon qu'il est écrit dans Jean, le chapitre 2, le verset 24 à 25. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Dans le sens de la place fondamentale de la mort au moi dans la fructuosité du missionnaire, un temps a été consacré à la question de la calomnie. La calomnie est l'une des armes tranchantes de l'ennemi à travers laquelle le diable attaque l'Église. Le pasteur Meunier a exhorté les missionnaires à triompher de la calomnie car une telle victoire fait partie des maillons déterminants pour le succès du missionnaire dans l'exercice de son ministère. Les derniers instants de la retraite ont porté sur des proclamations et des prières de combat contre tous les obstacles sur le champ de mission. Dieu au nom de Jésus, j'ai bâti les disciples par centaines et par milliers. Je les enrôle pour la bataille. Avec eux, nous remportons des victoires. Des exploits. Des victoires. Dis, je renverse les barrières. Je disperse les troupes. Je les anéantis. Je les désarme. Et je détruis les armes. C'est avec ces rappels substantiels des facteurs déterminants pour le succès de la conquête et surtout ce travail de profonde préparation pour la fructuosité sur le champ des missions que les missionnaires sont sortis de cette quatrième retraite annuelle. Le combat spirituel est une réalité, une vérité brièvement et efficacement expliquée par le pasteur Boniface Meunier lors de la quatrième édition de la retraite des missionnaires, précisément au quatrième jour. Pour lui, le champ missionnaire est émaillé de beaucoup d'obstacles que le conquérant doit prendre très au sérieux pour le succès de la mission. La conquête est une réalité. La conquête demande des combats spirituels. Il y a les démons, il y a des hommes pervers, il y a les circonstances de la vie, les conjonctures.
Devant ces obstacles, le conquérant doit être armé pour garantir le succès de la mission, car selon le leader de la CMCI en Côte d'Ivoire, si le missionnaire est battu devant les résistances, la conquête s'arrête. Alors, une vie de prière sérieuse s'impose. Les prières d'exercice de l'autorité, des prières de supplication et le fait d'être non seulement sérieux dans le service divin, mais surtout d'être constamment rempli du Saint-Esprit sont autant d'âmes pour le missionnaire face à tous ces obstacles. La rencontre s'est achevée avec des participants armés, rassurés et surtout édifiés. Quelques impressions recueillies en témoignent. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour cette retraite des missionnaires nationaux avec le pasteur Méné Boniface. Nous avons toujours aimé les rencontres avec lui parce que ça nous permet de nous ressourcer et d'aller conquérir. Et l'une des choses que le Seigneur a fait pour nous à cette retraite, c'est qu'il nous a montrer le chemin de la réussite, le chemin qu'on emprunte afin de porter du fruit. C'est d'emprunter le chemin que le Seigneur Jésus a emprunté. Et nous avons lu dans la Bible qu'il a dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. » Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié jusqu'à accepter la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Et voici le chemin qui est indiqué à chaque missionnaire pour réussir sur son champ de mission. C'est ce chemin de renoncement à soi qui nous permet de produire du fruit et du bon fruit et du fruit qui demeure. Donc nous sommes vraiment heureux d'être ici. Et le Seigneur est en train de faire de grandes choses avec nous. Nous avons vu que le Seigneur Jésus nous a choisis. Il nous a élus. Il nous a établis. Pour que nous allions porter du fruit. Il a fait sa part en nous choisissant, en nous établissant, en investissant en nous tout ce qu'il nous faut pour porter du fruit. Maintenant, notre responsabilité, c'est d'aller porter du fruit. Et nous avons vu que pour porter du fruit, il y a des éléments très importants. Et le Seigneur nous a montré la voie par excellence, la voie royale que nous devons emprunter pour porter du fruit. Le chemin que Jésus lui-même a emprunté dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 au verset 11, qui nous montre comment Jésus s'est dépouillé de sa gloire, comment il a pris la forme humaine, comment il s'est humilié, comment il s'est rendu serviteur, comment il s'est rendu obéissant, obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Nous avons vu également l'exemple de l'apôtre Paul, qui avait beaucoup d'avantages dans le monde, qu'il a cité dans Philippiens chapitre 3, et comment Paul a renoncé à tous ses avantages. Comment il a renoncé à tous ses avantages. Il a regardé toutes ces choses comme une perte. Et même au-delà de ses avantages, Paul dit qu'il voit toutes autres choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Et le Seigneur nous faisait comprendre que c'est ce chemin-là que nous devons emprunter. Le chemin de l'humilité, le chemin de la simplicité, le chemin de la mort, du renoncement à nous-mêmes. Et nous devons nous aimer. Nous devons aimer les frères. Et le Seigneur nous faisait comprendre que aimer les frères, ce n'est pas une chose banale. Aimer les frères, c'est aimer Jésus lui-même. Le Seigneur nous a fait comprendre que pour entrer dans le cœur du Seigneur, il faut aimer les frères. Et la réalité du combat spirituel, la réalité de la conquête. La conquête est une réalité. Et il y a des combats spirituels. Il y a les combats contre les démons, il y a les combats contre les hommes pervers, il y a les combats contre les réalités de la vie. Et le missionnaire
doit s'armer, combattre sérieusement. Le Seigneur nous a donné des instructions sur la conquête, comment conquérir nos différentes localités. Et le Seigneur nous a fait comprendre que la conquête est une guerre, est une réalité. Et il faut que le conquérant soit un homme de prière, un homme de jeûne, et que le conquérant doit être préparé spirituellement. Et il y a des luttes sur le champ de mission. Donc, vraiment, j'ai été béni et je vais être infiniment reconnaissant au Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée de prendre part. Et pour ma part, je suis vraiment préparé pour aller conquérir de nouveaux territoires. Et nous sommes engagés à aider le leader à réussir. En ce jour, nous avons été réellement bénis par notre leader qui nous a montré vraiment comment nous devons nous armer pour conquérir le cœur qu'il fallait, la disposition qu'il fallait pour conquérir. Et nous retournons vraiment, vraiment bénis avec toutes ces richesses. Et nous pensons que la conquête avance. Parce que avec d'abord les messages que nous recevons, c'est déjà une grande bénédiction. Et pour nous, en tant que missionnaires, nous bénissons Dieu pour toutes ces richesses que nous venons de recevoir. Amen. La vérité que j'ai retenue, c'est que pour réussir en tant que missionnaire sur le champ des missions, il faut emprunter le chemin que le Seigneur Jésus a déjà tracé pour nous. C'est cette capacité de renoncer à sa propre personne, d'accepter les injures, le mépris, le rejet, qui sont des clés, des outils du succès du croyant. Et le frère Zach disait dans le livre du Le dirigeant et son Dieu que la capacité à contenir Dieu est proportionnelle au succès sur le champ des missions. Donc on peut relier cet enseignement par là pour dire que si tu as Jésus en toi, alors ce Jésus va attirer les perdus vers toi. Donc je comprends par là que si nous partons d'ici, le Seigneur a résolu réellement nous permettre de pouvoir réussir sur le champ des missions. Donc la seule chose que je retiens, je vais pour revêtir le caractère de Christ afin de pouvoir produire des disciples et faire avancer l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette retraite fut aussi un moment d'évaluation de l'œuvre accomplie au cours de l'année 2020. Tous les dirigeants régionaux, accompagnés par le collaborateur direct, ont rendu compte à l'Assemblée des effectifs des membres et des assemblées, des finances et surtout de l'accomplissement de la promesse du Seigneur d'accompagner tous ses envoyés avec des prodiges, des miracles. Plusieurs témoignages ont été ainsi rendus par plusieurs délégués, démontrant la puissante et agissante main du Seigneur à travers le salut, la délivrance, la guérison des âmes et la victoire dans les combats confrontés sur le champ de conquête. Quatorzième cas de résurrection des morts enregistré dans l'église de Côte d'Ivoire. Une nouvelle qui montre la puissance du Seigneur qui agit à travers les missionnaires sur les champs de mission, accomplissant sa promesse d'accompagner le témoignage de ses serviteurs par des miracles et des prodiges. Le missionnaire Luc de la localité de Bédiala avec son aide Angéline ont ainsi engagé un combat farouche pour arracher une fille de 2 ans des griffes de la mort. Une petite fille de 2 ans qui était malade. Nous sommes partis et elle souffrait terriblement. Sous nos yeux, elle a rendu l'âme. Et la mère nous a remis l'enfant. À mon tour, j'ai remis l'enfant à son père. Il a percé l'enfant à plusieurs reprises qui ne répondait pas. Et j'ai reçu la conviction profonde de refuser cette mort. Nous avons refusé la mort. Nous avons jugé la mort à plusieurs reprises. Nous avons appelé son âme de retrouver son corps. Et quelques instants après, l'enfant a bougé les yeux. Et juste après, la patame du voisin qui était juste à côté a pris feu.
Nous n'avons rien compris, mais nous rendons la gloire au Seigneur. L'enfant est en vie et que l'honneur soit au Seigneur Jésus. Amen. La puissance de la résurrection s'est aussi manifestée à Gonaté, où elle a mis en échec le prince de la mort qui voulait emporter Esther. Nous relate la sœur Catherine, missionnaire à Gonaté. Un matin à 7h, le frère m'a appelé de venir. Je suis arrivée là-bas. Elle était là. La respiration n'était pas ça. Quelques 10 minutes après, c'est fini. Les femmes baoulées, les voisines qui étaient là, ont commencé à pleurer. Et j'ai commencé à supplier Dieu, à crier à Dieu. Seigneur, ramène-la. Et son mari, qui souvent conduit notre dirigeant, s'est souvenu qu'un jour, il avait conduit le dirigeant ici, au temple. Et le pasteur Meunier rendait un témoignage, comme ça, comme quoi qu'il y a une sœur aussi qui mourait. Et Dieu lui a dit d'appeler la sœur. Donc, il s'est souvenu de ce témoignage-là. Et il m'a dit, maman, appelons Esther qu'elle revienne. Et on a commencé à crier, Esther revient. Et on a crié. Près de 4 à 5 minutes, la sœur est revenue. Et elle nous demande, qu'est-ce qu'il y a ici? Que je partais, je suis arrivée très loin. Et pour vous m'avez appelé. C'est là que je reviens. Les témoignages ont donc occupé une place importante au cours de cette retraite. Plusieurs des missionnaires ont fait connaître les merveilles du Seigneur accomplies sur les champs de mission. La résurrection des morts, la délivrance, la guérison, le salut des âmes, autant d'aspects de la main agissante du Seigneur qui ont été mis en exergue par leurs témoignages. Gloire au Seigneur qui soutient ses serviteurs dans la conquête de la nation. C'est une tradition à la CMCI Côte d'Ivoire, en plus de la journée du mercredi consacrée à la prière et aux jeunes pour la nation dans toute la CMCI à travers le monde. Les 40 premiers jours de l'année à la CMCI Côte d'Ivoire sont consacrés à un moment de jeûne partiel et de prière pour la paix et pour que toutes les conditions sociopolitiques favorables à la prospérité de l'Évangile soient remplies dans la nation. Ce programme a fait l'objet de beaucoup de prières, d'encouragement et d'exhortation au cours de la retraite des missionnaires nationaux de la CMCI Côte d'Ivoire tenue du 4 au 10 janvier dernier, suivant le reportage. L'Église de Côte d'Ivoire est engagée dans un jeûne partiel de 40 jours pour la nation. Entamé depuis le 1er janvier 2021, le travail en rapport avec ce jeûne a été activement mené au cours de cette 4e édition de la retraite annuelle des missionnaires nationaux de la CMCI Côte d'Ivoire. À cet effet, le pasteur Boniface Meunier a exhorté les missionnaires sur la nécessité de prier pour la nation. Dans ce sens, il a mis l'accent sur la place fondamentale de la paix dans la prospérité de l'Évangile dans une nation. On n'a pas besoin de guerre. On n'a même pas besoin de ça. Ça nous énerve même. L'idée d'une guerre nous énerve. Parce qu'elle paralyse, elle bloque. Avant, quand j'étais dans l'ignorance, je croyais que s'il y a la guerre, les enfants de Dieu peuvent aller évangéliser les gens qui veulent mourir, aller conduire à Christ. Frère, j'ai vu ce qu'on appelle la guerre, et j'ai entendu les bruits de guerre. Disons merci d'abord pour la paix, frère. Oh Seigneur, merci. Merci pour la paix au nord. Merci. Le pasteur Gogo Achille, missionnaire de la CMCI à Daloa, précise en ce sens qu'il faut que chaque frère se sépare des tendances politiques du cœur en vue de bien prier pour la nation. Si tu veux prier de manière à ce que Dieu t'exauce, c'est Dieu qui donne l'autorité, c'est Dieu qui met l'autorité sur place. Il faut se séparer de ces tendances-là. Parce que ça amène en même temps les frustrations, les colères, à cause de l'injustice. Donc on se sépare même de toutes les frustrations, à cause de l'injustice qu'on voit. Tu vois, c'est une injustice, et puis tu es fâché. Donc ça te disqualifie même pour la prière. Dieu est souverain, il permet ce qu'il veut. Alléluia. Donc, il fallait même que je me sépare pour toutes les frustrations, mais pour toutes les colères, à cause de ce que je considère comme injustice que je vois. Et puis je veux que Dieu juge. Le jugement appartient à Dieu. Alléluia. Les frères se sont repentis pour le refroidissement dans la prière pour la nation et se sont engagés à intercéder fidèlement pour la nation sans colère, ni murmure, ni mauvaise pensée.
Demandons la capacité d'élever à Dieu les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Prions ensemble. Seigneur, nous prions, ô Dieu. Nous confessons que nous sommes ton peuple. Seigneur, accorde-nous d'avoir des cœurs purs, des cœurs délivrés des mauvaises pensées, délivrés de toute colère, afin d'être qualifiés, Seigneur, ô Dieu, pour prier continuellement pour la nation, Seigneur, dans laquelle nous nous trouvons, pour accomplir tes desseins. Au nom de Jésus, amen. Ce jeûne est rompu chaque soir à 18h. Dans le cadre de la retraite, une équipe de restauration a été mise sur pied pour assurer une bonne rupture à tous les missionnaires. Notons que la CMCI Côte d'Ivoire tient ses jeûnes de 40 jours partiels tous les débuts d'année en vue d'intercéder auprès du Seigneur pour des conditions de vie socio-politiques propices à la prospérité de l'Évangile sur toute l'étendue du territoire national. Toujours dans le cadre de la dite retraite des missionnaires de la CMCI Côte d'Ivoire, après 6 jours de travaux intenses dans la prière, les encouragements mutuels à travers les témoignages, l'évaluation des travaux de l'année dernière et la planification de la conquête pour cette année 2021, cette retraite s'est achevée dans une ambiance festive à la maison pastorale des Meuniers, où une réception restauratrice a été accordée à toute l'armée des missionnaires à travers cette rencontre de joie, de fête, de communion fraternelle. Le couple Meunier a tenu à exprimer leurs actions de grâce au Seigneur pour le don de tous leurs co-ouvriers et surtout marquer leur encouragement à tous les missionnaires pour l'accomplissement des attentes du Seigneur pour cette année 2021, suivant le reportage de la rédaction. L'un des objectifs de cette retraite était la communion fraternelle et le renforcement des liens pour l'efficacité dans le travail en tant qu'équipe de conquête. Un aspect qui a atteint son point culminant dans la réception accordée par le couple Meunier à tous les missionnaires à la maison pastorale le 10 janvier dernier, jour qui clôturait cette retraite. La maison des Meunier a pris des allures de palais festif pour accueillir les plus de 250 missionnaires qui ont pris part à cette retraite. Une action à travers laquelle le couple Meunier venait traduire leur gratitude au Seigneur pour le don de tous ces précieux co-ouvriers qui sont d'une bénissante aide pour eux dans la conquête de la nation ivoirienne. Nous sommes contents d'être dans la même équipe que vous. Nous sommes heureux que Dieu vous ait choisi pour que nous puissions travailler ensemble. Alléluia. Donc ce repas, c'est l'expression de notre amour, de notre encouragement, de notre foi en vous, en vos personnes. Alléluia. Quand nous dormons en paix. Alléluia. Amen. Le pasteur Meunier a voulu, par la même occasion, traduire tous ses encouragements à toute l'armée des missionnaires à persévérer davantage dans la conquête pour la plus grande satisfaction de Dieu. À satiété et avec action de grâce, les conviés à ce banquet de renouvellement des forces pour une conquête plus efficace ont pris les mets préparés pour la circonstance. La louange au Seigneur et la joie traduite par des pas de danse ont marqué ce rendez-vous qui fait sonner la cloche de départ pour le travail à accomplir cette année dans le précieux champ de Dieu. Parlons à présent de la cérémonie de présentation des vœux de l'église de Côte d'Ivoire au couple Meunier tenue le 9 janvier dernier. Une cérémonie à travers laquelle tous les dirigeants de la CMCI Abidjan comme à l'intérieur du pays se réunissent autour du couple pastoral pour leur témoigner leur amour et surtout leur engagement à davantage leur associer leurs mains d'action pour l'accomplissement de la mission à eux confiée par le Seigneur ici en Côte d'Ivoire. La cérémonie a été marquée par beaucoup de joie et de paroles fortes chargées d'amour et d'encouragement adressées tant aux dirigeants qu'à la famille Meunier dans leur élan d'accomplissement du but global de notre œuvre et à coup thème, le but de la phase 3.
L'équipe du journal de la RTVC était sur les lieux pour vous faire revivre les temps forts de ce moment suivant le compte-rendu. Ils sont venus de tous les quatre coins de la nation pour renouveler leurs sentiments et les engagements auprès du couple Meynier dans l'accomplissement de leur mission en Côte d'Ivoire. Les saints de l'Église de Côte d'Ivoire ont encore marqué la solidité de leur attachement à leurs dirigeants et surtout, ils ont renouvelé l'expression de leur disposition à maintenir leur main d'association à celui du couple Meynier dans la conquête de la nation. C'était ce samedi 9 janvier, au hall principal du siège de la CMCI Côte d'Ivoire, agréablement décoré pour la circonstance. À l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an, édition 2021, tous les dirigeants venus des 18 régions spirituelles de l'intérieur du pays et des 10 zones spirituelles d'Abidjan ont traduit leurs vœux de paix, de santé et de réussite au pasteur et à toute sa famille. Et ce, de par la voix de leur porte-parole, le pasteur Théo Bernard, missionnaire à Abouasso et président du comité d'organisation de cette cérémonie. Ils ont ainsi marqué leur devoir de reconnaissance au Seigneur pour le don du pasteur Meynier, homme de vision et travailleur inlassable pour la suprême cause de l'Évangile en Côte d'Ivoire. En effet, malgré les contraintes sévères du confinement dû à la crise sanitaire, les effectifs de l'Église de Côte d'Ivoire sont passés de 52 000 membres en décembre 2019 à près de 60 000 membres en décembre 2020, se réunissant dans 2009 assemblées de maisons. Sous le conseil avisé du leader de la CMCI Côte d'Ivoire, l'Église locale compte déjà 30 docteurs, dont 23 enseignants-chercheurs, sans oublier la RTVC qui est en train de s'étendre et s'imposer comme une chaîne de référence sur l'échiquier des chaînes thématiques chrétiennes. Un bref inventaire des actions menées par le couple Meynier l'année précédente que le porte-parole a tenu à signifier pour corroborer l'élan de reconnaissance que l'Assemblée des dirigeants et toute l'Église de Côte d'Ivoire tenait à traduire par son canal, tout en précisant l'engagement de l'Église à davantage s'investir aux côtés du couple Meynier dans le service du Seigneur cette année encore, dans le cadre de l'accomplissement du but de la phase 3. Nous sommes convaincus que 2021, année pleine d'espoir, prendra une part significative à la réalisation de nos objectifs de la troisième phase. Bonne et heureuse année 2021 et que Dieu, le dispensateur de toute grâce abondante, soit avec toi et avec toute ta famille. Après son propos, un don symbolique a été donné à la famille au nom de toute l'Église, de quoi susciter beaucoup de joie et de gratitude dans le cœur de tous les membres de la famille Meynier. Ils l'ont à tout de rôle signifié et ont surtout béni l'Église pour cette marque de considération et d'amour à leur endroit. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci du fond du cœur. Merci, merci. Merci, 365, merci fois 26 années, merci. Je voudrais ici dire, frère, que vous avez de la valeur à mes yeux. Dis que je vous porte dans mon cœur, que je vous porte dans mon cœur, que je vous chéris. Prenant à son tour la parole, le pasteur Meynier a rappelé l'une des promesses fondamentales du Seigneur qui devrait encourager les saints dans la consécration au service du Seigneur. À partir de Marc, le chapitre 10, les versets 28 à 31, où le Seigneur promet aux disciples la récompense au centuple de tout ce qu'ils ont quitté et abandonné pour l'Évangile, l'homme de Dieu, en tant qu'exemple concret de l'accomplissement de cette promesse du Seigneur Jésus, a rassuré l'Église que cette parole est certaine et qu'elle s'accomplira effectivement dans la vie de chaque saint. J'ai laissé beaucoup de frères au Cameroun, des frères de famille. J'ai laissé des mères. J'ai laissé des pères. J'ai même laissé des terres. Si tu es mon frère, lève la main.
ce n'est pas tout, hein. Est-ce que Jésus ment? Tu seras traité de la même manière. Parce que tu as cru à l'évangile. Il reçoit ce témoignage de l'amour et de l'engagement de l'Église à leur côté comme un acte de consécration au service du Seigneur, chose qui reçoit toujours une récompense divine. Le pasteur Meunier a par la suite de son propos proclamé des bénédictions sur toute l'Église. La main du Seigneur soit sur chacun. Que la divine main de Dieu soit journellement sur chacun. Que tes yeux contemplent les victoires de Jésus dans ta vie et dans la vie de ceux qui te suivent. Que ce soit une victoire, que ce soit des victoires éclatantes, de telle sorte qu'il sera toujours possible de dire « C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui agit ». Impossible de retenir ses pas de danse à l'écoute de ces mélodieuses musiques exécutées par ces talentueux ministres de la louange qui, à travers leurs différents ministères, ont fait vivre à l'Assemblée une véritable ambiance festive à l'occasion de la présentation de vœux de nouvel an à la famille Meunier. Venu tout droit de Dabo, le frère Guillaume a fait voyager les frères dans l'ouest de la Côte d'Ivoire avec ses différents chants en langue locale, soutenus par des pas de danse en symbiose avec le rythme. Les 230 km qui les séparent d'Abidjan n'ont pas empêché les danseurs de l'évangile de l'église de Daokro d'apporter les touches chorégraphiques à la cérémonie. Des pas harmonieusement conjugués en équipe ont agrémenté la joie des dirigeants présents. On ne peut évoquer les notes musicales qui ont marqué cette cérémonie sans mentionner la chante gracielle qui a encore émerveillé l'assemblée avec quelques titres de son deuxième et nouvel album « J'attendrai ». Difficile de se contenir à écouter ces belles mélodies qui portent ces édifiantes et bénissantes paroles. Courage, tu arriveras. Courage, à bon port. Courage, tu arriveras. À la tes promises, certainement, je te dis courage. Courage, tu arriveras. Courage. Ils étaient aussi là, toujours fidèles à leur poste pour s'aimer la parole et assurer le ministère de la louange. Sublimement habillés, les sèmeurs ont été valablement au rendez-vous pour rendre ministère à la famille Meunier et à toute l'Église. Missionnaires, dirigeants et anciens, tous ont reçu ministère à travers ces différentes œuvres musicales et artistiques et la fête fut très belle. Vraiment, c'est une belle cérémonie. C'est d'abord un sentiment de joie, de plaisir, de nous retrouver pour renouveler notre attachement. C'est vrai que c'est une cérémonie de présentation de vœux, mais pour nous, c'est le renouvellement de notre engagement. C'est le renouvellement de notre consécration. Cette année, une chose qui m'a marqué particulièrement, c'est le rappel. Quand le pasteur Meunier a pris la parole, des prophéties qui cadrent l'œuvre dans la nation.
et particulièrement ça m'a vraiment touché. Nous sommes en train de voir qu'en réalité ce sont les desseins de Dieu qui sont en train de s'accomplir. Ces choses que nous sommes en train de vivre, c'est des choses que Dieu avait prévues. C'est véritablement une source d'encouragement, une source de motivation pour dire que nous sommes là dans le vrai. Nous sommes là parce que Jésus nous a appelés. Et nous allons continuer pour que ce qu'il a prévu vraiment puisse s'accomplir. Nous sommes à cette rencontre pour présenter nos voeux les meilleurs à notre leader qui, pendant toute l'année 2020, n'a cessé de nous conduire dans les enseignements, dans les conseils, dans les exhortations, de prier pour nous. Et nous avons achevé l'année victorieusement. Et vu cela, c'était important que nous lui exprimons notre reconnaissance, que nous lui disons merci de nous avoir supporté pendant une année d'honneur. Donc nous sommes venus pour lui renouveler notre amour et dire que nous sommes contents de l'avoir comme dirigeant, comme directeur et que nous sommes prêts à le suivre. Et nous prions également que une onction particulière soit sur lui pendant cette année 2021 pour que nous continuions de nous conduire, de nous orienter, pour que nous puissions accomplir tous nos objectifs de l'année 2021. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce qui s'est passé le matin. Vous avez vu la joie, la paix, la convivialité et tout ce qui a régné au milieu de nous. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. La joie est grande parce que nos parents ont été honorés. Et depuis Koumé, le leader mondial nous a appris à honorer nos dirigeants. Et ça fait partie de la conquête quand nous honorons les dirigeants. Et je suis très content d'avoir participé à cette cérémonie. Et cette rencontre représente pour moi vraiment une grande joie de se retrouver autour de ses parents pour l'honorer. On lui dit merci pour ses combats, son travail dur et être reconnaissant aussi envers Dieu qui nous a donné un grand homme qui veille sur son œuvre, qui veille sur son troupeau. Et c'est grâce à son labeur que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. C'est une grande joie pour nous de nous retrouver autour de nos parents pour cette fête. Merci. Cette rencontre marque une très grande reconnaissance envers notre leader, pour le travail abattu pour nous, pour la nation entière. Et nous lui disons merci, lui, sa famille, nous leur disons merci pour tout ce qu'ils ont fait, pour le prix payé, pour les investissements. Je suis le fruit de leur investissement. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Ils sont un modèle pour nous et pour la nation entière. Je pense, en tout cas, que c'est une rencontre qui vient toujours à point nommé. Quand on a abandonné tous les siens, toute sa richesse, pour aller dans un autre peuple, si ce peuple n'est pas intelligent, pour le leur rendre, je pense que c'est le jugement de Dieu qui va descendre sur nous. Mais nous sommes un peuple sage. Dieu nous a enseigné la sagesse. Nos parents, nous les aimons. Ils nous aiment. Et nous leur renouvelons nos sentiments et notre consécration à Dieu et à eux. Et nous sommes contents d'être là, comme vous le voyez. Nous bénissons Dieu qui a rendu ce moment possible. Et nous prions que l'année prochaine, ce soit encore possible et que nous puissions encore leur renouveler nos sentiments pour les encourager davantage à aller plus haut avec nous. Je pense que cette rencontre doit être perpétuée, c'est une très bonne rencontre. Je remercie l'initiateur de cette rencontre. Je voudrais dire que nous avons été richement bénis parce que nous avons retrouvé les missionnaires qui étaient sur le champ de mission et ça nous a permis de tisser des liens et de consolider les liens. Vous savez que de telles rencontres doivent se perpétuer. Et moi, en tant que dirigeant, je bénis le Seigneur pour cette initiative et j'aimerais que cela se perpétue
et que nous transportons ces gens de rencontre aux générations futures. Parce que ça permet non seulement à tous les dirigeants d'unir leurs forces autour du porteur de vision qui est le pasteur Meunier, et en même temps de recevoir en cette année 2021 les bénédictions venant de notre dirigeant. Et je remercie également les organisateurs et je plaide que le Seigneur les bénisse abondamment. Merci aussi à l'équipe de la TVC qui était au rendez-vous. Que le Seigneur bénisse, c'est ce que je voulais ajouter. Amen. Au sorti de cette rencontre, je pense que la rencontre s'est bien déroulée et je dis merci pour la présence de chacun et pour la participation de chacun. Et je pense que pour nous, c'est pour moi et je pense que pour tout le peuple, c'est un renouvellement d'amour d'un enfant à son père, d'un serviteur à son maître et d'une brebis à son dirigeant. Et nous sommes venus faire la fête avec notre dirigeant et pour lui dire que nous nous réengageons à sa suite et nous partons avec lui dans tous les combats en cette année et pour toutes les années à venir. Je dis merci au Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde. En tant qu'une fille de Meunier, je suis reconnaissante au Seigneur pour la grandeur qui les a accordés. C'est une manifestation de l'amour parce que le Seigneur nous dit de nous aimer les uns les autres. Et c'est ainsi que nous venons manifester notre amour aux parents. Et je suis dans la joie pour cette rencontre qu'il a permise. Nous sommes à la fin aujourd'hui, samedi 9 janvier 2021, un jour historique, un jour qui a été choisi par le Collège des Anciens, l'ensemble des missionnaires et des dirigeants de la communauté pour présenter les vœux à la famille Meunier, au groupe Meunier ainsi qu'à les enfants. La rencontre fut très belle avec le discours du pasteur Théo, le président du comité d'organisation qui a montré le travail abattu. Vous avez entendu les frères qui ont remercié le Seigneur pour ce grand travail abattu à la prise du parole du pasteur Boniface Meunier. Les saints ont compris, c'est aussi un moment de renouvellement, de consécration, un moment où les saints repartent encore à la tâche. Voici donc avec la louange, la coupure du gâteau, la nourriture, nous avons vraiment passé un bon moment. Ce jour est marqué comme le jour de consécration. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes donc à la fin. Que le Seigneur bénisse l'ensemble des missionnaires, des dirigeants ainsi que tous ceux qui ont eu à participer, sans toutefois oublier les saints et fidèles de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Avant de clôturer cette édition, un mot sur la journée de prière de la CMCI Côte d'Ivoire sous la direction de la sœur Colette Meunier, tenue de 7h à 20h ce samedi 16 janvier 2021 au siège de la CMCI Côte d'Ivoire. Une réunion de prière qui a été consacrée à d'abondantes actions de grâce au Seigneur pour l'œuvre accomplie dans son église de la CMCI Côte d'Ivoire durant tout le long de l'année 2020. Plus de détails sur cette rencontre dans nos prochaines éditions. C'est ici que s'achève cette édition du journal de la RTVC. Merci d'avoir été avec nous et surtout, merci d'être connecté sur la radio-télévision Voix de la Croix pour recevoir les informations de la CMCI en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest et partout dans le monde. Jean-Christian Toili était à la réalisation, assisté par Alison Toili et Jordan Nana. Quant à moi, votre serviteur Pascal Béori, je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. D'ici là, que la grâce et la faveur du Seigneur vous accompagnent. À très bientôt.